L'accord qui a été signé début juin est un très mauvais accord puisqu'il ne permet pas aux producteurs de lait de vivre. En conclusion, un accord qui ne permet pas aux gens de vivre, c'est un mauvais accord, donc il faut le renégocier. J'ai demandé au ministre à ce qu'il pousse pour qu'un nouvel accord soit signé très rapidement avec tout le poids de l'État pour qu'il permette aux paysans de vivre de leur production. Le deuxième point sur lequel la Confédération paysanne a très lourdement insisté, c'est le fait qu'à l'heure actuelle, on vit une crise de surproduction. Ça veut dire qu'on a en gros en Europe 5%, 6% de surproduction. Donc tant qu'on surproduira, les prix ne remonteront pas. Donc il faut arrêter cette surproduction. Et deuxièmement, il faut éliminer les stocks trop importants qu'on a aujourd'hui. Nous, on est contre les restitutions parce que le système des restitutions fait qu'on va envoyer nos surplus dans d'autres pays, donc à tuer d'autres agricultures, souvent vivrières d'ailleurs. Donc nous, on est contre ça. Par contre, on peut, et c'est prévu au niveau européen, introduire ces surplus soit dans l'alimentation.